Hey, what's up YouTube, c'est Monsieur Geek, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire de l'argent et avoir des produits moins chers, donc les amis, c'est parti. Les amis, la première étape sera d'aller en lien en description qui va vous ramener sur un site qui s'appelle Cross Shopper. Ce n'est pas un placement de produit avec le site ou un truc comme ça. Première étape, en fait, c'est quoi? C'est de vous inscrire. Déjà, vous allez déjà vous inscrire. Moi, je vais me connecter. Et une fois que vous êtes connecté, en fait, on va commencer par quoi? On va commencer par comment gagner de l'argent. C'est ça qui vous intéresse le plus. Donc, si vous voulez faire chercher pour d'autres, vous allez cliquer là. Et une fois là, ici, il y a à réécrire qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour avoir les points. Donc, ici, vous voyez bien que il y a beaucoup de monde qui ont mis des annonces. Ici, il veut un LG. Essayez de trouver des produits ou ce que vous pouvez trouver. Donc, par exemple, un truc qu'on pourra trouver moins cher. Par exemple, ici, le Ryzen. Le processeur, donc on va prendre le Ryzen, on va essayer de voir si on peut pas trouver moins cher. Et le prix à battre est de 76,06 €. Donc moi les amis, ici j'ai trouvé à 74,71 €. C'est un produit reconditionné, mais comme vous pouvez voir ici, il accepte les produits reconditionnés. Si il dit qu'il accepte pas les produits reconditionnés, il y a écrit non. Donc vous pouvez pas avoir les produits reconditionnés, vous devez avoir des neufs. Donc moi maintenant ici je vais prendre le lien. Et ici, une fois que vous avez le lien, une fois que vous avez trouvé le produit moins cher, vous allez le coller ici. Ensuite, vous allez faire valider, il va vous ramener sur une page, voilà, comme ça. Ici, vous allez mettre tout est déjà mis automatiquement, mais ici, par exemple, produit reconditionné, vous mettez oui, expédié depuis France. Après, ici, vous acceptez. Ici, il y a écrit quelqu'un a déjà posté cette demande. Donc, on va essayer de retrouver un autre. Donc voilà, j'ai pas trouvé les amis, mais une fois que vous avez pris le lien, en fait vous allez le coller là. Ensuite vous allez voir, vous acceptez, dites par où il a été expédié, de quel pays, et est-ce que c'est un reconditionné ou pas. Vous allez mettre le prix, mais ça je pense que ça sera automatiquement. Ensuite vous allez faire envoyer mon deal. Et une fois que c'est fait, normalement, si l'acheteur du produit pour l'AMD, il va accepter votre demande, il y aura quoi? Il y aura ici des points. Et à partir de 500 points, en fait, c'est 5 €. Si vous avez, par exemple, 1000 points, en fait, vous allez avoir 10 €, soit en PayPal, soit en carte bancaire, quoi, un virement, ou bien en chèque cadeau. Donc maintenant, on va voir comment avoir des produits moins chers. En fait, c'est le même concept. C'est par exemple, moi, maintenant, je vais sur Amazon et je vais avoir un produit moins cher. Par exemple, moi, je vais avoir ce tapis. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà le prendre et on va le mettre ici dans demander. On va faire le petit plus, on va faire demander. Et ensuite, ici, on va copier l'URL du tapis de souris. Vous allez faire valider. Ensuite, ici, vous allez choisir pour vous-même si vous voulez que ça soit un par où il a été expédié. Moi je vais faire monde entier et ça va faire est-ce que vous acceptez le produit reconditionné. Ici je vais mettre oui. Après vous allez poster votre demande. On doit choisir une catégorie. Moi dans la catégorie sera plus informatique. Puis on va faire poster ma demande et le prix en fait il doit être plus de 24 € ou bien 24 €. S'il est moins, ben vous pouvez pas mettre le produit. Par exemple, moi j'ai mis 24 €. On va faire poster ma demande. Donc voilà, maintenant il y a écrit demande publiée. Les shoppers sont sur le coup. Donc maintenant en fait, si on fait, ils vont essayer de trouver un produit s'il n'est pas moins cher. Donc ici vous pouvez voir toutes mes demandes. Déjà demander pour le chargeur, les LED, pour le clavier. Et je vais bientôt acheter ce clavier, je pense. Vu que moi, l'autre, il commence à bugger. Un clavier mécanique. Et j'ai demandé pas mal de claviers. Voilà, les amis. Donc, c'était un petit conseil comment gagner de l'argent et comment avoir des produits moins chers. Comment économiser de l'argent aussi. Donc, les amis, c'était Monsieur Geek. N'oublie pas de commenter, partager et de vous abonner. Je vous dis peace. À la prochaine.